Et salut tout le monde, c'est Grafa et Gocraft et Kaiser, c'est reparti pour le troisième épisode sur Evoland. Salut tout le monde. On enchaîne, attention. Gauche et droite, et l'un des deux est un piège. Alors, gauche ou droite? Je suis droitier. Allez, droitier. Droite. Oh, mince. Alors, là, pour la petite info, en fait, c'est la troisième fois que je teste le jeu. La première fois, j'ai pris à droite, je me suis tapé les squelettes. La deuxième fois, j'ai pris à gauche, je me suis tapé les squelettes. Donc je pense que c'est comme dans certains jeux, c'est un passage obligatoire. Donc en fait, tout simplement, ils disent un des deux boutons est un piège, sauf que les deux ouvrent. À deux, pousser, j'ouvre la porte qui te fout. Voilà, il faut pousser les deux. Ah, là, t'es obligé de le prendre. Il tourne. Oh, ça c'est méchant. Je suis sûr que tu tombes dans le trou. Bah écoutez, on va pas le faire tout de suite, mais vous allez voir juste après que ouais, les tornades vous prennent tout de suite. Allez, c'est reparti pour les combats. Pas très simple. Ah, double mage. Et d'un. Et... On va y arriver. Ah, voilà. Ah, ils sont vraiment chiants à battre. À ce simple fait qu'ils se téléportent comme ça, comme des... Non, regarde les mages. Mais qu'est-ce qu'il fout là-bas, là? C'est l'aléatoire total. Oh. Voilà. Oui, gagné. On récupère ses cœurs. Par contre, je sais pas ce qu'elle fait, cette princesse. Je crois que c'est celle qui nous suit, en fait, depuis le début. Bah, j'ai bien l'impression. C'est vrai qu'elle lui ressemble beaucoup. Oh, le jeu des lumières. Qu'est-ce qu'il t'a foiré, mec? Mais non, ça va aller. Ah! Eh ouais, il y en a là-dedans, hein, t'as vu? Allez, hop. Au revoir. Voilà. Donc, on parlait des tornades, justement. Bah, les revoilà. Alors, j'ai même pas bougé, je viens de m'en prendre une. Une seconde. Nous emmène directement vers les pics. Génial. Bien sûr, les pics, faut pas se gêner, hein. Tu peux même les traverser, comme tu l'as montré si bien la dernière fois, sauf que tu te prends des bim, 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 tranquille, voilà. Quitte à se prendre des pics avec les tornades, autant se les prendre nous-mêmes. Ah. Ah, la fin du donjon, peut-être? Un téléporteur, comme dans Zelda? Eh bien non. C'est la sauvegarde. Oh, ça sent... Oh, la lave. Non, elle ne se transforme pas en obsidienne comme le dit si bien ce jeu, ce n'est point Minecraft, nous n'avons pas de saut d'eau pour nous aider. Et elle qui arrive comme ça, j'ai un mauvais pressentiment. Mais on le sait depuis le début, on avance dans un donjon, dans tous les donjons, il y a un putain de boss final ou un truc comme ça. Nous avons même vu la porte juste avant. Oui, 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 oui. C'est quelque chose quand même de magnifique, hein, ces petites trappes qui s'ouvrent comme ça juste devant vous. Mais c'est vraiment très bien fait. Je vais stresser, je vais monter, attention. Non mais ça sert à rien parce que je connais le niveau par cœur. Piège de feu. Un conseil, allez-y doucement. Là on a débloqué des petites boules de feu. Bon, je vais éviter de m'en prendre, mais vas-y. En fait... Si on s'en prend une, on tombe directement dans la lave et voilà quoi. On perd un peu de vie et on reprend juste avant. Go, 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 Power Ranger. Oh, le petit piège malfrat. Le petit piège de malfrat. Ouais, parce que là, en fait, je sais pas si vous avez vu, on pouvait tomber dans la lave. Alors que tout à l'heure, on ne pouvait pas tomber dans l'eau. Oh, yeah, yeah, là, ça commence. Ah, bim, déjà deux sorcières. Je vais me faire violer, là. Hop, oh, un mort. Ah, il y en a encore. Allez, hop. Il y en a deux de morts. Qu'est-ce que c'est? Un petit zoom sur le coffre. Et bim! La porte du boss. Comme si on s'y attendait pas. Bien, bien. Et là, il n'y avait pas un... Pourquoi, là, qui était un crâne? Non, prêt. Ah oui, prêt.
Est-ce que vous êtes prêts pour le boss? Alors là, on voit tout de suite un squelette qui va tomber. On commence à avoir l'habitude. Bonjour, monsieur Skeleton. Déjà, il y a trois squelettes. Pas dans le brun. Là, ils se font entourer. C'est un gangbang. C'est un gangbang de squelettes et de chauves-souris. Il va se transformer en mort-vivant zombie. Les chauves-souris, mince. Les vampires, quoi. Voilà. Ah, bah voilà, on peut passer enfin. Tout simplement. Yak, 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 yak. Bonjour Kaiser, je suis ton ami. Bonjour, bah je vais me faire un autre ami alors. Imitation foireuse du crâne de Bob Lennon. Sur Skyrim, tout le monde connaît. Oh. Il me semble que je peux récupérer un coffre. Ouais, celui-ci. Oh. Une étoile? Bien sûr, ah bien sûr. Bah bien sûr, une étoile, comme tout le monde. Tu es une... Fait. On est... Ah, 8 sur 30. 8 sur 30. On est une étoile montante sur YouTube. Oh, oh, oh. Comme d'habitude, on voit toutes des fissures, là, mais on peut pas les voir. Ah, pour l'instant, on peut pas encore. On remonte un peu l'énergie avant le boss. Alors, il y a une présence maléfique. Ouais. Je me permets de passer parce que blablabla, bla bla, le méchant... C'est toujours la même chose qu'elle dit, en fait. Exactement. Je sens une présence, qu'est-ce que... Quelque chose approche. Bah oui, on voit bien. Il y a des cœurs qui apparaissent sur l'écran. Vous ne passerez... Vous ne passerez pas. Il te ressemble. Alors, ça, référence au... Référence à aussi Zelda, hein, je crois. Zelda avait un double maléfique. Un double maléfique. Même si c'était un. Ah. C'était surtout le boss final. Pas, presque final. Alors là, je ne saurais te renseigner. Enfin, c'est des personnes qui nous l'ont dit quand on a montré le jeu un peu à certains des amis. Ils nous ont dit que Link avait Dark Link. C'est aussi une belle référence. T'es obligé qu'il soit... Oh, les chauves-souris. Oh, les boules de feu. Oh, le pic. Oui. Oui. Ah. Ah. Ah, il t'en remet d'autres. Moi, elles sont sympas, les chauves-souris, t'en remets d'autres. Tant lui, comme un con, il va pas chercher à avoir de cœur. C'est un méchant de jeu vidéo. C'est pas fait pour être intelligent. Je dirais en fait que c'est Batman. En mode avec la peau noire totalement. Espèce de gros raciste. Et bim. Et voilà. Je vais même pas récupérer les 4 étoiles qui tournent autour de sa tête. Il veut déjà 4 en moins quand même. Voilà, voilà, voilà. Donc ça débloquerait ici, ça débloquerait. Ah, peut-être le dernier. Ah, surtout. Oh d'accord, allez. L'ennemi qui rend moi juste à cause d'une seule forêt. Bravo. Mais c'est un corps, qui a-t-il dans ce corps? L'épée légendaire! Bien oui, premier donjon, épée légendaire! C'était logique. Les élèves, ils faisaient ça un petit peu comme... Blablabla... Les élèves, ils faisaient ça, donc, je crois. Tout à fait. Ouais, l'épée légendaire. Bon, en tout cas, donc, vous remarquerez... Ah, on va en 3D. On va voir ce que ça donne. On attend la 4e dimension. C'est quand même beaucoup plus joli, hein, si vous vous souvenez du début. Donc là, on est reparti sur du tour par tour, du Final Fantasy. Exactement. Avec une épée qui a plus la classe que départ. Elle ne sert toujours à rien. On aura de se faire manger par des champignons. C'est que des champignons, hein, ça va pas ramener de la moisissure. C'est peut-être une blague de merde, désolé. Mais en tout cas, comme je voulais le dire, vous remarquerez toutes les petites références à certains jeux ou certains films. Par exemple là, les mines de la Noria, vous ne passerez pas. Ça fait bien sûr référence au Seigneur des Anneaux. Ah oui, c'était obligé. Et voilà, bien sûr, référence aux jeux, donc voilà, Zelda, Final Fantasy. C'est un peu un medley, un mix de tout ce qui se fait de bon, en fait, hein, de bon. Ah ouais. Mais bon, comme on le dit souvent... Ah, c'est quoi l'expression, là? Le jeu est vraiment pas mal. Même si on met un mix de tout qui est bon, ça ne
forcément faire un très bon jeu. Mais là, je l'accorde, le jeu pour de bon est très bon. Bah, à part le fait, bien sûr, qu'il soit assez linéaire, voilà, parce que c'est vrai que dans les jeux actuels, maintenant, on aime bien avoir beaucoup de liberté. Pour simple exemple, Skyrim, qui est aussi un jeu d'aventure découverte, mais là, on fait vraiment ce qu'on veut, en quelque sorte. Il y a pas longtemps, dans les débuts de ma chaîne, j'avais eu l'idée justement de faire une série Skyrim. Et en fait, c'est à ce moment-là que mon PC, c'était juste avant que j'ouvre la chaîne, c'était avant, à ce moment-là, mon PC a planté, le jeu a été supprimé, et je n'ai plus à revoir. Mais je pense pas que je vais le faire, parce qu'en fait, j'étais vraiment, vraiment... Oh, la tortue! Ouh là 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 là! Je crois que tu l'as jamais vu, celle-là. Oh, yo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 
Voilà, il est content de la revoir, nanana, le cristal, on va sauver le monde. Ah oui, mais non, je ne t'ai pas dit. Tu as ramené le cristal, mais tu as oublié d'aller chercher la gemme de machin bidule. Donc vous ne pouvez pas avancer. Oh, ça c'est trop... L'amulette de Gorn pour entrer dans la citadelle. Ah, donc voilà, donc là il vient de nous dire qu'on peut aller chercher les bombes. Il faut s'adresser au joueur de cartes chauve. Chauve ? Tout à fait. Chauve ? Parce que vous verrez, il y en a deux. On peut pas s'adresser à l'autre, il faut s'adresser au chauve. Sinon, on n'a pas les bombes. Blablabla, bla, tu es doué, c'est gentil. Si ça te tente, je voudrais bien faire la partie. Parce que t'as tout de suite vu que quand moi je t'ai vu jouer, toi t'avais un peu de mal à comprendre ce qui se passait. Et ouais, je sais pas si vous avez vu, mais là les décors ont évolué, ils étaient encore un petit peu pixelisés, alors que là tout est lisse. Et... Ah ouais, c'est vrai. Et maintenant que vous regardez comme ça, mais le jeu n'a plus rien à voir au jeu du début, il est magnifique. C'est vrai qu'on a sacrément changé, passé du noir et blanc bien pixelisé à du. Avec des vidéos HD. Par contre, je sais pas comment ils pourraient s'améliorer la suite. Eh bien, écoute, je ne sais pas, je propose de laisser voir ça par vous-même. Comme on vous le répète encore une fois, le jeu n'est pas très cher, et comme vous avez pu le voir, il vaut le coup. Même s'il est assez inerte, je vous propose de l'acheter par vous-même. Et surtout de tester, parce que je vous jure que voilà. C'est un très très bon jeu. En plus, il n'y a pas beaucoup... Gamin hyperactif. Mais qui ose mettre ce genre de truc dans les vidéos? Le gamin qui court après un papillon, et le papillon est assez con pour... Hein? Un marchand un peu cher. Alors, il y a toujours des gens qui profitent d'une crise. Ouais, en lecteur DVD à 5000. C'est trop cher pour nous. Par contre, on va prendre l'armure. Et c'est quoi le dernier? Les joueurs de cartes. Donc voilà, on va enfin vous montrer à quoi ça sert donc les cartes qu'on a récupérées pendant au début. Voilà. Bon, les règles sont assez simples. Histoire avec les règles. Ils sont assez simples. Et le but ce sera de gagner toutes les parties, c'est ça? Oui, donc en fait il faut commencer par gagner facile. En facile. Puis en moyen, puis en difficile. Donc, je vais te laisser jouer. T'inquiète, ça va aller, c'est pas la peine de bouger. Alors, déjà, nous avons un sacré. Ah merde, fait, il faut utiliser les. Ok. Je commence à comprendre. Alors. Nous allons mettre un truc sympa qui éviterait tout problème. Alors, moi, je vous propose, comme c'est nous qui devons commencer, on va mettre celui-là. Sur un. Parce qu'il y a beaucoup plus de difficultés à aller chercher. Regardez, là, il n'a pas réussi à le choper. Au contraire, moi, je vais pouvoir l'avoir avec autre chose. Et donc, en fait, pour ceux donc, qui n'auraient pas vraiment compris le but du jeu, en fait, voilà, vous avez donc sur vos cartes des points. Et le but du jeu, c'est de prendre le plus de cartes possible pour avoir le maximum de points, en fait, en bas. Donc là, par exemple, avec son point, avec deux points, il a pris la carte du dessous qui avait qu'un seul point, donc adjacente. Donc là, le principe, c'est qu'il faut essayer de prendre voilà, deux cartes d'un coup. Bien joué. Je suis en train de réfléchir que sérieusement, pour éviter de faire des gros problèmes, parce que là, comme vous constatez maintenant, ce monstre, le mage, je peux aller viser. Mais le mage va être difficile à récupérer si on le repère bien. Et celui-là aussi. C'est une partie en facile. Hein. Il faut pas non plus s'attendre à. Donc là, on gagne 7 à 3. Il vient de nous prendre une carte. Ouais, là, c'est pas grave. Suffisant. Et on met la dernière, ce qui nous fait un 7 à 4. Bien joué. Donc voilà, c'est pareil que dans d'autres RPG, on a des petits modes aventure comme ça, avec des jeux de cartes. Ah oui, j'ai encore débloqué un succès Steam. Blablabla, il faut parler aux gens. Bon, je sais pas si on montre encore beaucoup de l'aventure, ouais, parce que je pense qu'il y a encore pas mal de choses à voir dans ce jeu. Donc là, il nous dit d'aller parler à la petite vieille. La musique qui a rien à voir.
qu'avec le temps qu'il fait en ce moment. Ah mais on s'est tapé des temps de merde quand même pas mal. Assez humide. La petite vieille. Des bombes, tu dis? Bien sûr, dans sa cave. Où est-ce que tu vas les ranger, tes bombes, hein? Un bunker? Pour quoi faire? J'ai une cave. C'est... Bien sûr, mais on va combattre un dragon, mais oui, pour avoir des bombes. C'est totalement ça. Par contre, j'ai pas fait attention. Est-ce qu'il y a ce dragon? C'était Rélan. L'entrée sud. L'entrée sud. Ah, c'est celui qu'on a vu au début alors. Bon, par contre, le personnage est assez lent. Ouais, c'est pas faux. Quand tu marches dans le sens qu'il faut, quoi. Et là, c'est bien sûr le principe habituel des RPG qui est pas très utile. Où un tel te donne une quête d'aller voir un tel, qui te dit d'aller voir un tel, puis au final tu te retrouves à aller voir machin. Et du coup, après, il t'emmène voir Bidule, qui t'emmène voir un truc. Et bien sûr, nous on sait pas c'est qui, hein. Faut juste que nous on parle à tout le monde pour réussir à trouver la bonne personne. Non, apparemment, il y a un gamin qui a volé les bombes. LOL. Je ne sais pas qui. C'est pas toi? C'est peut-être le gamin hyperactif qu'on a vu tout à l'heure. Ah ouais? On va aller voir ça. Un gamin hyperactif. Et on marche encore, et on marche, et on marche. Le temps qu'il arrive des champs, salut les enfants. C'est tout le jour. Hein? Viens nous le passer là. C'est un gosse de 5 ans hyperactif qui vient de nous passer des bombes. Très bon. Wouhou! À utiliser avec précaution. Bah oui, sinon tu vas exploser. Mode kamikaze activé. Donc là, elle vient de nous rentrer dedans. Comme d'habitude. Je viens de l'absorber. Comme la truc. Oh, c'était trop petit. Oh, c'était trop petit. Voilà, donc je pense que ça va être bon pour aujourd'hui. Ah, ça va être bon pour aujourd'hui. Tarte est sortie. Je pense que ça va être bon pour aujourd'hui. Hein. On a dû faire le bon temps. Donc, le blabla habituel, n'hésitez pas à commenter, liker, abonnez-vous à la chaîne et partagez toutes les vidéos que vous pouvez trouver. Donc, j'espère que vous avez bien aimé. Je pense que notre session aujourd'hui va s'arrêter. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Hein. Comme je vous l'ai dit, je vous invite tous à essayer ce jeu qui est vraiment pas mal. L'essayer par vous-même, aller un peu plus loin, parce que j'ai pas encore été beaucoup plus loin, moi. Et voir un peu ce que ça donne, parce que je pense qu'il y a pas mal d'évolutions qui peuvent suivre derrière ça. Parce que là, bon, on est au jeu. Là, ça ressemble un peu à un Final Fantasy actuel. Là, c'est le Link. Quand on est sur la carte du monde, ça ressemble un peu à un Final Fantasy beau, ouais. Bien graphiquement. Dans la ville aussi. Dans le village, ça ressemble beaucoup à un Final Fantasy. Allez, les bombes, et puis c'est fini pour l'épisode d'aujourd'hui. Voilà. Oh, à peine que la... Ah, bravo. Oh, le succès débloqué, Exterminator. Donc voilà, j'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo, et je vous conseille d'acheter le jeu, comme le maître Kaiser. Et nous vous disons à plus tard. Salut tout le monde.